T'es sûr que ça va aller? J'ai fait quasiment tous les lycées de cette ville. Je me dois de revenir. Écoute, je sais que t'as traversé une période difficile et je sais que ça... Amélia, recommence pas avec ça, s'il te plaît. Je te l'ai déjà dit. Je sais ce que j'ai vu. Tout ce que t'as raconté aux flics n'a jamais été prouvé. Et ton passé de... Et voilà, c'est reparti. C'était différent cette fois-ci et j'avais encore toute ma tête. Je sais que j'ai déconné par le passé, mais là, c'était trop réel pour n'être qu'une hallucination. Sinon, j'aurais jamais été jusque-là. Je m'excuse encore une fois. Je souhaite seulement que tu tournes la page et que tu te reconstruises. Je sais me débrouiller. Aujourd'hui, t'entames un nouveau chapitre de ta vie. Les professeurs qui vont te faire la visite sont ceux qui s'engagent le plus pour leurs élèves. Donc si t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Ils sont sûrement plus utiles que moi. Arrête, t'as déjà fait beaucoup pour moi et tu le sais. T'as toujours été là. Je te remercierai jamais assez. Si tu le dis... Je te laisse, je vais aller aider mes amis pour la visite. Ça va aller? J'ai juste à suivre les panneaux d'indication comme tu m'as dit. Fais attention à toi, Salomé. N'existe pas. Dis Manon, tu as des nouvelles de ta grand-mère? Les médecins lui ont diagnostiqué l'Alzheimer. Elle se souvient de quelques prénoms, mais elle oublie tout le reste. Je suis désolée pour toi. Ne t'inquiète pas, j'ai juste peur d'être oubliée.
là, jeune fille? Désolée, je crois que je me suis perdue. La réunion d'accueil, ce n'est pas ici. Excusez-moi, je croyais qu'il fallait juste suivre les panneaux. Mais on n'a mis aucun panneau. Tout va bien? Ouais, ça va. J'ai juste besoin de me rafraîchir un peu. Viens avec moi, je vais t'accompagner aux toilettes les plus proches. C'est ici. Tu sembles inquiète. Le lycée te fait peur à ce point? Je vais pas entrer dans les détails, mais je sors d'une phase compliquée par rapport à mes anciens lycées et il me faut du temps. Je comprends. Mais j'ai l'habitude maintenant. Tout à l'heure, tu semblais concentrée sur les anciennes photos. Certains visages m'ont rappelé des choses et des personnes. Vous m'avez parlé? Je te demandais si tu avais bientôt terminé. Oui, j'arrive dans 2 minutes. Tant mieux, parce que je commence à m'impatienter. Le robinet veut pas couler. C'est par sécurité. Tu ne veux pas les noyer quand même. Mais de quoi vous parlez? Et comment vous connaissez mon nom? Je te parle de Léo, Hugo, Canel. Mais comment vous pouvez les connaître? J'en sais des choses, tu sais. Je sais qu'Amélia est une sœur pour toi. Je sais que tu tenais énormément à tes amis jusqu'à ce que je les dévore. Mais ce que je sais par-dessus tout, c'est que tu cherches à me fuir car tu crains la mort. Les ballons n'existent pas. Tu as vraiment cru que répéter cette phrase allait te protéger de moi? Tu as peut-être enfui la dernière fois, je suis toujours dans ta tête. C'est d'ailleurs pour ça que tu es revenu, hein? Tu espères te débarrasser? C'est pas possible! Salomé, tu penses vraiment qu'Amélia peut t'aider? Dans les égouts, personne ne t'entendra crier! Va te faire foutre!
poser. Ça avance ? Ah Thomas, j'ai eu quelques galères, mais ce sera prêt pour lundi. En même temps, notre sujet est assez... Notre sujet ? Que ce soit bien clair. Je t'ai essayé de le faire avec moi parce que t'as insisté et qu'en plus ça m'arrange. Mais moi, je suis juste ton binôme. Je sais, tu me l'as déjà dit. Et Olintello, on te parle. Oui, oui, pardon, j'étais dans mes pensées. Le DM, tu l'as ? Oui, oui, il est dans mon sac. Et donc, t'attends quoi pour me le filer ? Tiens. Merci. Rester là. C'est un espace de travail ici. Tu sais pas ce que tu cherches, tu retournes à ta place. Si, si, je suis venue chercher... celui-là. Tu passeras à mon bureau pour le louer. Oui, oui, pas de problème. Mais... que fait ce ballon ici ? Quel ballon ? Mais celui-là ! Évite de faire la maligne avec moi. La retenue te pend au nez. Putain, Emma, tu m'as fait peur. T'as su que c'était moi au début ? Qui d'autre a les mains qui puent la clope dès 8h du mat ? Ah, très drôle. T'as mangé un clown ce matin ? Ouais, j'en ai dévoré un ce matin. Fais gaffe à ce que ce soit pas lui qui te dévore. Quoi ? Non, non, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. La fumette, ça te réussit pas, toi. Alors, ton exposé, ça avance ? Moi, il me fout une pression de dingue, mais bon, j'ai pas le choix. C'est avec un regard sanglé qu'ils te fixeront la prochaine fois. T'arrives à lire ? Depuis le CP, oui, quand même. Ils t'ont encore embêté, ces deux-là ? Ils sont juste venus me parler. Pour réclamer ton travail ? Encore une fois, je t'ai déjà dit de leur dire non. Je n'y arrive pas, c'est compliqué de m'imposer, alors fais profil bas. Attends, tu vas voir. Non, non ! Alors, ça vous amuse de réclamer le travail de Layana ? De quoi tu t'occupes, toi ? Je sais ce que vous faites subir à Layana. Alors écoutez-moi bien. Désormais, elle ne fera plus rien pour vous. Et vous allez devoir vous démerder. Et le premier qui la menace encore une fois, je lui arrache la tête. Je te conseille d'arrêter de me menacer. Ou tout le monde va savoir la vérité sur ton paternel. Non mais vous croyez où là ? Sortez d'ici immédiatement ! Ton livre, jeune fille ! Quel livre ? Celui que tu viens d'emprunter. Ah oui, pardon.
Valéna, attends-moi. Cette situation ne pouvait plus durer. Ça va être sympa l'exposé lundi. Tu sais très bien que socialement c'est assez compliqué pour moi. Et toi, tu en rajoutes? Écoute, je suis désolée, je voulais juste aider. M'aider? Tu penses réellement m'aider? Je n'ai pas d'amis, et à cause de toi, je me suis fait des ennemis. Et moi, je ne suis pas une amie? Parfois, je me pose vraiment la question. Thomas a menacé de dire la vérité sur mon père si je continue à te défendre. Est-ce que la situation s'est arrangée? C'est pas la question. Est-ce que la situation s'est arrangée? C'est pour éviter qu'on vienne m'en parler. Alors s'il te plaît, n'en parlons plus. Je passe le midi avec Amélia aujourd'hui. Amélia? C'est aujourd'hui qu'elle revient? J'espère qu'elle va mieux. Viens avec moi à midi et tu sors. Apparemment, elle sera encore marquée par la disparition de son amie. C'est pour ça qu'elle est tombée en dépression. C'est qui son amie? Salomé, une fille un peu plus jeune que nous. Elle était censée passer son année ici. C'est super glauque. Depuis quand elle a disparu? Pas mal de temps maintenant. En plus, la meuf, elle arrêtait pas de dire qu'elle était suivie. Enfin bref, encore une timbrée qui se droguait. Et Amélia s'est mise en tête de la retrouver. Mais tu veux mon avis? Pour moi, elle a canné sa pote. Amélia cherche une morte. Elle disait être suivie par qui? J'en ai aucune idée, mais va falloir être là pour Amélia, ça c'est certain. On en parle tout à l'heure, sinon je vais être en retard en cours. Ouais. Il y a un imbécile qui me fait signe à la fenêtre. Il y a personne. Mais si, regarde, le mec habillé en clown. Il y a aucun mec habillé en clown là. T'as croisé Inès ou pas aujourd'hui? Non, pourquoi? Pour rien, laisse tomber. Tu viens? Pars en avance, j'arrive.
Saint-Valentin. On se prend une caisse et après on n'assume plus. Arrête, Anis, je suis pas très en forme aujourd'hui. Ben, j'avais remarqué. Dis-moi juste quelle jour on est. Combien de fois je t'ai dit que l'alcool c'était pas fait pour toi ? Dis-moi juste quel jour on est ! Réponds ! Ça va, pas la peine de t'énerver. Écoute, j'ai eu une sale matinée aujourd'hui. Tout ce que je veux, c'est qu'on me foute la paix. Alors s'il te plaît, réponds-moi. Vendredi 20 janvier. Janvier ? On n'est pas en décembre plutôt ? Non, janvier. Vendredi 20 janvier. C'est juste que la pasto a pas encore retiré les décorations. Si tu me cherches, je suis au réfectoire des profs. Ouais, je te rejoins plus tard. Comme tu veux. Lui dire. Je sais pas. Évitons les ondes négatives. Me dire quoi ? Ah, Amélia. Ça fait plaisir de te revoir. On a une surprise pour toi. Un sandwich, salade, tomate, œuf, ketchup. À moins que tu aies décidé de changer ton immonde alimentation, et dans ce cas, je te propose une salade verte. Tes remarques m'avaient manqué. C'est sa façon à elle de te dire qu'elle est contente de te revoir. À force, je la connais, tu sais. Bon alors, quoi de neuf ? Marion va bientôt s'en prendre une, mais à part ça, rien de nouveau. Qu'elle reste où elle est. De toute façon, depuis qu'elle est avec ce demeuré de Thomas, elle se sent valorisée. Elle arrête pas d'harceler la hyène. Elle a profité de ton absence pour s'acharner sur elle. Une vraie conne. Mais ferme-la. Elle est bizarre, la fille, là-bas. C'est Émilie. Elle a perdu deux amis à elle, faut pas la juger. Ils étaient au lycée. Et ils s'appelaient comment ? Ils s'appelaient... Putain, merde. J'ai oublié leur prénom. Pourtant, je les connaissais bien. Ils ont disparu du jour au lendemain. Pourquoi il y a des ballons ? C'était pour la vente des gâteaux de la pastorale. Bah ça se voit que c'est des brels à la pasto. J'en ai retrouvé un ce matin au CDI. Un ballon ? Bah oui. En parlant de ballon, faut que je vous raconte. J'ai croisé un type habillé en clown tout à l'heure. Attends. T'as vu un clown ? Ouais, il était grave flippant, le gars. Ah, mais c'est lui que j'ai vu au CDI, alors. Toi aussi, tu l'as vu ? J'ai cru le voir, mais je suis pas sûre. Emma, est-ce qu'il t'a parlé ? Non, non, je l'ai juste vu de loin. Surtout, ne lui parlez pas. Ne lui adressez jamais la parole. Vous m'avez bien entendu ? Ah bah t'inquiète, on n'en avait pas l'intention. Si vous le croisez, vous l'ignorez. S'il vous parle, vous l'ignorez. Non, mais tranquille, je viens de te dire qu'on lui parlera pas. S'il vous propose un ballon, vous refusez. Oh, tu vas te calmer ? Tu entends ce que je viens de dire ? On lui parlera pas ! Mais pourquoi tu te mets dans un tel état ? Amélia, attends-moi ! Oh, tu joues à quoi là ? Ça a suivi Salomé. Ça a suivi Salomé, maintenant ça nous suit nous. Mais de quoi tu parles ? Elle avait raison.
Je n'ai pas écouté. Depuis le début, tout était vrai. Les ballons, les apparitions, tout. Je comprends rien de ce que tu racontes. Salomé, elle disait être poursuivie. Elle essayait de le semer, mais peu importe où elle allait, il la retrouvait à chaque fois. Attends, elle n'est pas censée être disparue, ton amie? C'est ce que je pensais, moi aussi. Et puis un jour, je l'ai vu pour la première fois. Et je me suis doutée qu'il avait kidnappé Salomé. Mais qui? Le clown. Mais c'est quoi ce clown? Une créature. Je sais pas d'où il vient, je sais pas pourquoi il est là, mais s'il y a une ambiance aussi malsaine dans ce lycée, et si autant d'élèves disparaissent, c'est pas un hasard, c'est à cause de lui. J'ai du mal à croire. Je sais que ça paraît dingue, mais il faut me croire. Parle-en à Layana, faut qu'elle soit au courant. Quand est-ce que tu comptais nous prévenir, imbécile? Je pensais pas que c'était réel, jusqu'à ce que vous me disiez que vous l'ayez vu aussi. Je veux pas le dire à Layana, pas tout de suite en tout cas. Elle a pas besoin de ça pour le moment. Sophie et Audrey. Ça va pas bien aujourd'hui, toi. Réponds à ma question, s'il te plaît. Ils sont morts aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as dit? Bah quoi? Ils sont absents aujourd'hui. Et ils ont prévenu leur absence? Non, et d'ailleurs ça a bien fait chier le CPE. Alors c'est vrai, il les a tués. Toi? Non, rien. Allez, ça arrête, quoi, deux minutes. C'est quoi ton problème depuis tout à l'heure? Il y a quelque chose qui va pas. Je t'ai dit qu'il y avait rien. Alors tu laisses tomber et tu me laisses tranquille. Tu débarques comme un fou dans la salle et je dois faire comme si tout allait bien. Je veux simplement qu'on me lâche. Mais soigne-toi si ça va pas, hein. Me soigner? Si seulement c'était si simple. Je comprends vraiment rien de ce que tu dis. Va-t'en. Ok, très bien. Thank you.
peut encore changer de salle, celui-là. Mais tu voyais pas que le vidéoprojecteur, il marchait pas? T'as pas à me parler comme ça. Ça fait pas mal de temps que tu me parles mal. En même temps, tu ne comprends jamais rien. J'ai vraiment l'impression de sortir avec une débile, parfois. Thomas, arrête! Je suis sur le point de me casser, là. Et pour aller avec qui? T'as personne. Je te demande juste un peu de respect. Je suis ta petite amie, pas ta pote. Crois-moi qu'à mes potes, je leur parle avec plus de respect qu'à toi. D'ailleurs, si tu veux savoir, on ne sait pas que causer, elle et moi. Pauvre con. Traite-moi autant que tu veux, mais n'oublie pas que sans moi, tu n'es rien. Qu'est-ce que tu veux? On peut en parler si tu veux. Y'a rien à dire. Eux-mêmes vont capter la cortisol. Emma, Amélia, quelque chose ne va pas? Non, non, rien, monsieur, tout va bien. Qu'est-ce qu'il a, votre bras droit? Mon bras droit? Il va très bien, pourquoi? Il est couvert de bleu et de blessures. Pause pour tout le monde. Mais monsieur, le cours vient à peine de commencer. Tu peux pas te taire, je fais ma pause. Oui, c'est ça. Allez, prendre l'air. Emma et Amélia, vous restez ici. T'es dans la merde. Dites-moi ce que vous voyez. Je vous demande pardon? Dites-moi ce que vous voyez. Bah, votre bras droit. Fermez les yeux et concentrez-vous. Maintenant, dites-moi ce que vous voyez. Il est couvert de bleu et de blessures. Bon, ok. Vous êtes capable de le voir. Léana, tu peux me répéter ce que je viens de dire? Excusez-moi, j'étais pas concentrée. Tu sais ce qu'on va faire? Pendant que les autres vont au CDI pour leur recherche, toi tu vas rester ici recopier la trace écrite. Donc je disais, un discours peut subir l'effet boule de neige, ce qui nous amène à... Maintenant, c'était Léana, tu restes ici comme prévu. Attendez, ça s'appelle comment?
le Shining. Et donc c'est ce don qui nous permet de voir la créature ? Appelle ça un don si tu veux. Moi j'appelle ça une malédiction. Mais en gros c'est ça. Donc les autres élèves ne peuvent pas le voir ? Ils pourraient le voir, si le clown en avait envie. Est-ce qu'il sait qu'on arrive à le voir ? Oh que oui, il le sait. Et ça l'énerve plus que tout. C'est pour ça que vous êtes en danger. Il va essayer de vous tuer comme il a essayé de me tuer. Avec quel objet il tue ses victimes ? Avec ses dents. Attendez, ce truc bouffe des gens ? Avant tout, il vous repère. Ensuite, il vous harcèle. Tout le temps. Durant votre sommeil, pendant vos cours. À force, vous devenez fou. Puis, il s'arrange pour que personne de votre entourage ne vous croie. Prévenir Layana. C'est qui ça ? Une amie à nous. Elle aussi peut voir le clown. Et vous l'avez laissée toute seule ? Bah oui, on n'a pas couru au même endroit. Dans quelle salle elle se trouve ? Attendez, elle est dans la salle 175 normalement. Espérons qu'elle n'ait pas changé de salle. Quelle est la cour normalement ? Le CDI ! Elle m'a dit qu'elle devait y aller. Allez voir au CDI ! Je vais aller voir en 122. Dépêchez-vous ! Excusez-moi, monsieur, vous savez où est Layana ? Réel. Je ne suis pas assez réel pour toi, Amélia ? Je ne le suis pas ! Mais j'étais assez réel pour Salomé !
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti du tableau. Est-ce que tout le monde va bien? C'était quoi ce truc? C'est le clown qu'on a vu ce matin. Vous foutez de moi? Ça c'était tout sauf un clown. Je suis désolée, mais chez moi, les humains, ça ne traverse pas les murs. Cette chose, elle est tout sauf humaine. Mais comment vous saviez que j'étais ici? Le Shining. C'est grâce au Shining. N'est-ce pas, monsieur? Je pense que notre cher professeur nous doit quelques explications. Bon, maintenant vous allez tout nous expliquer. Comme vous l'avez compris, ce qui a attaqué Layana n'était pas un être humain. C'est une créature maléfique, dénuée de toute émotion. Ce truc tue les humains. Plus précisément les enfants et les adolescents. Ce Shining, c'est quoi exactement? C'est une sorte d'état de conscience, un pouvoir pour certains. Ça permet de voir des choses passées, présentes et futures. C'est pour ça que vous saviez où était Layana. Le Shining n'est pas exact. Il se trompe parfois. C'est pourquoi je vous ai quand même demandé d'aller voir au CDI. Généralement, il se manifeste chez des personnes ayant subi un grave traumatisme psychologique. Je suis désolé, mais avant d'en dire plus, chacun va devoir expliquer le choc qu'il a vécu. Mon père. J'ai été violentée par mon père. À 6 ans, on comprend pas, mais on retient. La perte d'une amie. Mon choc, c'est la perte d'une amie. Faites pas les étonner. Vous l'avez vu comme moi. Je voulais juste pas l'accepter. Suivant. Écoute, Amelia, y a rien qui te prouve qu'elle soit vraiment morte. Suivant! J'étais en troisième, au collège. C'était après un cours de piscine. J'étais dans les douches avec les autres filles de ma classe. D'un coup, j'ai senti une douleur horrible dans le bas du ventre. J'ai regardé le long de ma cuisse, du sang coulait. J'avais mes premières règles. Les filles autour de moi se sont moquées. Elles l'ont filmé, et ça tournait sur les réseaux. À votre tour, monsieur. Je suis responsable de la mort de mes amis. Désormais, il faut trouver un moyen de vaincre ce clown. Je crois qu'il y a plusieurs clowns. Celui que j'ai vu dans le parc était différent de l'autre. Non, c'est le même. Il peut prendre différentes apparences. Si on trouve l'endroit où il se terre, on pourrait tenter de le prendre par surprise. Je crois que tu n'as pas conscience de la situation. Cette chose, on ne l'attrape pas. C'est elle qui nous prend en chasse. Vous savez, n'est-ce pas? Vous savez où se cache le monstre? Mais c'est l'endroit le plus dangereux que je n'ai jamais vu. Le danger, on sait ce que c'est. On le vit chaque jour. Dès que je rentre chez moi, je ne suis pas en sécurité. Le monstre vit dans un monde parallèle au nôtre. Une sorte d'autre dimension. Regardez le lycée et imaginez le vide, sombre et sans vie. Imaginez un lieu où regorge de nombreux dangers. Un lieu où tous vos cauchemars prennent vie. Comment on y accède? Le portail de son monde est dans le lycée. Je l'ai trouvé par hasard avec 4 de mes collègues. Eux aussi possédaient le Shining. On voyait des enfants et des professeurs se faire déchiqueter.
Alors nous y sommes allés. Mais nous n'étions pas prêts à ce que nous allions affronter. On s'est fait massacrer un par un. Je suis le seul à avoir survécu. C'est beaucoup trop risqué. Pourquoi ne pas juste quitter le lycée ? Peu importe où vous allez, il va hanter vos pensées et vous torturera. C'est ce qu'il a fait à Salomé. Et puis partir pourquoi ? Laisser tous les élèves mourir ? Amélia, Layana a raison. Tu as vu l'état de mon bras ? Si jamais vous partez, dans quel état vous reviendrez ? Je ne peux même pas venir avec vous. Dès que je mets un pied dans ce monde, mon corps s'affaiblit. Si on reste ici, on mourra de toute façon. Autant essayer. Mourir là-bas, c'est bien pire que de mourir ici. On ne peut pas rester planté là à attendre la mort. Il faut agir. Je refuse de voir des élèves mourir. Il est bien pire que la mort. J'ai besoin d'y réfléchir. Rentrez chez vous, il se fait tard. Non mais attendez, on peut pas... Discussion close, Amélia. Tu veux venger Salomé et je le comprends parfaitement. Tu comprends pas. Personne ne peut comprendre. Je suis rongée de remords. Il se passe pas une seule nuit sans que je pense à elle. Pas une seule nuit sans que je regrette de pas avoir été là pour elle. Tu fonces tête baissée sans même savoir ce que tu vas affronter. Ce truc a tué mon ami. J'irai l'affronter, que ça vous plaise ou non. Si tu y vas toute seule, tu vas y rester. Peut-être que tu t'en fous, mais pas... Exactement. Mais pas moi. Sans toi, je suis perdue. Je tiens en toi plus que tout. Layana va mal en ce moment. J'aimerais que tu sois là pour elle. Elle a besoin de toi. Ne te la joue pas solo sur ce coup-là. S'il te plaît. Je veux bien attendre. Mais promets-moi qu'on lui fera la peau à cette saloperie. Tu as ma parole. Elle va être sympa cette année. Elle souffre. Il ne faut pas lui en vouloir. Mais s'il te plaît, ne nous lâche pas sur ça. Lundi, je vais à peine avoir le courage de remettre un pied au lycée. J'ai ma sœur qui est inscrite ici pour l'année prochaine. Il faut convaincre tes parents de la changer d'établissement. Ah ouais ? Et je leur dis quoi ? Attention, il y a un monstre qui rôde dans le lycée. Donc on est voué à affronter cette chose. Je dois y aller. Mes parents m'attendent. Ah, Valentin, tu es là. Je te cherchais partout. Qu'est-ce que tu me veux ? Tu n'es pas censé surveiller les retenues ? Anis m'a dit que tu n'allais pas bien aujourd'hui. Il ne sait pas la fermer, lui. Je peux m'asseoir ? Bah, maintenant que t'es là, ouais. De quoi est-ce que tu voudrais qu'on parle ? Depuis quand tu te prends pour un psy ? Je sais que tu vas mal, ça se voit sur ton visage. Qu'est-ce que vous avez tous à m'emmerder ? Vous voulez m'aider, mais... on n'y arrivera jamais. J'avais donc raison. Quelque chose te tracasse. Parle-moi. Je ne peux pas t'aider si je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi faire ? De toute façon, tu me prendrais pour un dingue. Tu vois quand je te disais que j'étais fille unique ? Enfin, c'est pas totalement vrai. On était deux filles à la maison. S'appelait Léa. Un jour, mes parents nous ont emmenés faire un pique-nique en forêt. Pendant qu'ils finissaient de manger, ma sœur et moi, on est partis faire un cache-cache. C'était à mon tour de compter et Léa est partie se cacher. Mais elle est partie trop loin et elle s'est perdue. On l'a cherchée pendant des heures et des heures. La gendarmerie a fouillé toute la forêt. En vain. Quelques jours plus tard, un chasseur l'a retrouvée. Sans vie. Depuis ce jour, je n'arrête pas de penser à elle. Je m'en veux tellement. Je suis vraiment désolée pour toi. Je n'attends pas ta pitié. Je veux juste te montrer que tu n'es pas le seul à souffrir et que tu n'as pas à porter seul ton fardeau.
D'ailleurs, je t'ai commandé ce que tu m'as demandé. Tu pourras aller le chercher lundi au CDI. C'est pas en restant seul que tu vas vaincre tes démons. Réfléchis-y. C'est ouvert. Pour la deuxième fois, entrez, c'est ouvert. Valentin ? Léa ? Tu m'as abandonnée. Non, non, c'était un accident ! Mensonge ! Trouvé.
Tu as une mine encore plus affreuse que d'habitude. Je serais bien restée chez moi, mais j'ai un exposé à passer. En plus, vu que tu parles mal de moi aux gens de la classe, j'ai dû me taper ton mec. Ça se voit que t'es bizarre. Pas besoin d'en parler aux autres pour le comprendre, ma belle. Quand on traînait ensemble, tu étais comme moi. Mais depuis que tu es avec Thomas, tu as complètement changé. Il me correspond parfaitement. Je me sens en sécurité avec lui. Ce n'est pas ce que j'ai cru comprendre vendredi. Ça ne te regarde pas de toute façon. Pas devant tout le monde, je te l'ai déjà dit. En plus, Enzo va arriver. Je dois lui donner la console de mon frère. T'es sérieux? T'as piqué la console de ton petit frère? C'était la mienne avant, m'emmerde pas avec ça. J'ai joué, j'ai perdu. Fin de l'histoire. Pourquoi tu leur donnes tout comme ça? Fais-toi un petit peu respecter, merde! Ne me dis plus jamais ce que je dois faire. Fort avec les faibles, et faibles avec les forts. Hein, Thomas? Vous allez bien, les gars? Tu as ce qu'on t'a demandé? Oui, dans mon sac. On va pas faire ça ici. On se voit tout à l'heure. Ok, ça marche. Le prof n'est pas encore arrivé. J'attends depuis 10 minutes. Tu n'as pas croisé Inès ce matin? Non, pas du tout. Merde. Demande à Emma, peut-être qu'elle l'a vue. Je lui ai demandé, mais elle ne l'a pas croisée non plus. Bah, je peux pas t'aider. Ah, désolée de t'embêter avec ça. Je fais chier tout le monde, tous les jours, mais c'est juste que j'en ai un peu marre d'être tout le temps toute seule. Tu restes toute seule? Bah, depuis qu'Inès refuse de m'adresser la parole, elle m'évite, comme aujourd'hui. Donc je me retrouve toute seule. Je sais ce que ça fait d'être mise de côté. Je suis désolée pour toi. On fait avec. Elle s'accroche beaucoup trop à toi. C'est pour elle que tu nous abandonnes si souvent? C'est juste une fille de passage, rien de plus. Et ça ne te donne pas le droit de lui faire du mal pour autant. Elle est bonne qu'à se faire frapper de toute façon. Attends, tu peux répéter ce que tu viens de dire? Tu me prends mal parce que t'es une fille? T'es aussi coincée qu'elle. Oh! Qu'est-ce qui te prend? Laisse-moi régler ça. Je crois que t'as pas bien compris. C'est moi qui décide ici. Ça ne te regarde pas. C'est entre lui et moi. C'est pas parce que t'es ma sœur que tu dois te croire au-dessus des autres. T'es pas à la maison, Enzo. Tu n'as aucun pouvoir sur moi ici. Il vaut mieux que tu t'en ailles. T'inquiète pas, ça lui passera. Ah oui, Thomas, on a un truc à te demander. Dans la grande salle, derrière les projecteurs, on a dû cacher un sac noir. On a dû le foutre là pendant la conférence de ce matin. Tu le prends, tu t'en vas. Si t'y arrives, on réfléchira à t'intégrer dans notre groupe. Pourquoi vous n'y allez pas vous-même? Je savais qu'il allait se dégonfler. Non, non, c'est bon, je vais y aller. Je vais le faire.
Amelia. Aide-la. Elle a tout oublié. De quoi tu parles ? Layana. Il lui a retiré la mémoire. Qu'est-ce que tu as fait, Zelia ? Je l'ai emmené flotter ! Viens avec moi ! Viens ! Et vous flotterez tous les deux là-bas ! Ils sont tous les trois au courant ! Tu leur as parlé du don ! Je vais les massacrer, un par un ! Tu n'auras plus que tes petits yeux pour pleurer. Dis-moi, qu'est-ce que ça fait d'avoir des morts sur la conscience ? Aujourd'hui, nous avons plusieurs exposés à faire passer. Inès sera la première. Inès sera en retard, monsieur. Ok, bah Layana, c'est à toi. Layana, nous t'écoutons. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un personnage important de l'Antiquité, Périclès. Il a été élu en 461 avant Jésus-Christ par les Athéniens et il mena des réformes sur la citoyenneté en 451. C'est lui, au début, qui a mené la guerre du Pélo. Monsieur, il y a quelqu'un habillé en clown à la fenêtre. Arrête un peu, Layana. Concentre-toi, s'il te plaît. Non, mais je rigole vraiment pas. Il y a vraiment quelqu'un à la fenêtre. Monsieur, j'ai envie de vomir. Je peux aller aux toilettes ?
que arrêter de se mémoriser dans son architecture très spéciale et assez révolutionnaire. Désolée pour le retard. On m'avait prévenu, Inès, ne t'en fais pas, on va t'installer. Dis Inès, quand t'allais faire signer ton retard, tu n'aurais pas croisé Thomas par hasard ? Je l'ai pas vu, désolée. Ça fait une demi-heure qu'il est censé être aux toilettes, encore une excuse pour squatter un couloir, il me gonfle ! Mais lâche-le un peu ton gars, il va pas s'envoler. En revanche, ce genre de remarques, tu peux te les garder pour toi. Ça va, je plaisantais. À part toi, y a personne qui rigole là. Allez, ça va, c'est bon, laisse tomber. Inès ? Mais qu'est-ce que tu fous ici ? J'avais besoin d'être seule, pour réfléchir. On n'a pas le droit d'être là. Si on se fait choper, c'est fini, on est viré. Ça n'a aucune importance. Je n'ai plus rien à perdre depuis longtemps. Écoute, peut-être que tu te sens mal, mais moi aussi je souffre. J'en ai marre que tu m'évites. Ok, tu as toutes les raisons de m'en vouloir, mais j'aimerais qu'on puisse tourner la page toutes les deux. Tu
Tu embrasses mon petit ami, en soirée, sous mes yeux. Tu m'humilies devant tout le monde, et tu crois que je vais tout oublier? Mais j'étais bourrée, je me contrôlais plus. Désolé, mais prendre son apparence était le seul moyen de t'amener ici. Bonjour, je peux aller lui parler? Oui, bien sûr, mais ne la brusquez pas trop. Son professeur vient de la ramener, elle a fait un malaise en classe. Tu l'as vue? J'aurais préféré ne pas me rappeler. Quand je l'ai vu, tous mes souvenirs sont réapparus. Il a manipulé ta mémoire. Tu avais oublié son existence, hein? Oui, mais pourquoi moi? Il n'y a pas que toi. Il fait ça pour chaque élève et chaque professeur. Leurs souvenirs étant altérés, ils reviennent chaque jour au lycée comme si de rien n'était. Seuls ceux qui possèdent le Shining arrivent à contrer son pouvoir.
et le tien vient de s'éveiller avec ce qu'il s'est passé. J'y suis pourtant pas arrivée. C'est parce que tu es la plus sensible d'entre nous. Il se comportait bizarrement. Il a fouillé dans mon sac. C'est bien ce que je me disais. Il cherche quelque chose. Ma mémoire s'altère avec le temps. Plus j'avance, plus les souvenirs que j'ai de ce monde s'effacent. Je crois savoir. Reste ici, je reviens. Bonjour. Zélia, votre collègue m'avait commandé un livre. Elle est arrivée vendredi. J'aimerais la récupérer. C'est votre faute. Je vous demande pardon. Zélia n'est pas là aujourd'hui et je sais que c'est de votre faute. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Elle m'a dit qu'elle avait laissé un mot à l'intérieur pour vous. Tu fais bien partie du journal du lycée, n'est-ce pas ? Oui, pourquoi ? Proposez à votre responsable de publier une fake news. Un clown tueur se balade dans le lycée. Ne restez jamais seul. C'est plutôt une bonne idée, non ? Dis que ça vient de toi. Et voilà notre cher Thomas. Vous savez, moi, les gars, ce mec-là, je l'adore. Hein. Surtout quand il fait ce qu'on lui demande. Vous pouvez repasser après ? Je suis un peu occupé, là. Tu vas nous donner ce qu'on t'a demandé. Il est vide. Donc, mon portable ? Des profs sont entrés dans la salle au moment où j'ai trouvé le sac. Je n'ai rien pu faire. Mais j'ai trouvé mieux encore. Vas-y, montre-nous. Je veux voir. Je range mes affaires et je vous montre. Maintenant. Suivez-moi. Restez là, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Thomas, dépêche-toi, on va se faire choper. J'arrive, deux secondes. Oh putain, Thomas, tu fous quoi ? C'est bon, je suis là. Enzo, viens m'aider. Mais vous êtes tous les quatre tombés sur la tête. Je sais que cette histoire est dingue.
Une créature maléfique dans l'enceinte de l'établissement. Oui, excusez-moi, je trouve ça un peu dingue. Je vous demande pas de me croire. Simplement de me poser des questions lorsque je serai sous hypnose. De toute façon, le type d'hypnose que vous souhaitez que je mette en place oblige à dire la vérité. Donc on verra bien si ce que vous dites est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Vous avez qu'à m'hypnotiser après, mais on peut pas tous avoir les mêmes hallucinations. Ça, en revanche, je dois avouer que c'est peu plausible. Vous allez nous aider ou pas? Vous m'avez l'air d'une bande de tarés. Je serais irresponsable de vous laisser partir comme ça. On peut prendre ça pour un oui? Vous trois, allez dehors et attendez. Fermez les yeux. Concentrez-vous que sur ma voix, et uniquement sur ma voix. Oubliez tout ce qu'il y a autour de vous. Je vais vous poser la question que vous m'avez écrite sur ce papier, et normalement, la réponse apparaîtra sous forme de pensée. Si cela fonctionne, les souvenirs que vous avez oubliés reviendront. Moi, je n'ai rien oublié. C'est cette chose qui manipule mon esprit. Elle manipule les esprits de tout le monde. Taisez-vous. Concentrez-vous. Commençons. Revenons quelque temps en arrière. Vous étiez dans l'antre du clown, avec vos amis, prêts à le tuer, mais rien ne s'est déroulé comme vous l'aviez prévu. Que s'est-il donc passé ce jour-là? Tu es conscient de ce que tu me demandes? N'oublie pas que j'ai une famille. Tu prends des risques en prenant quelqu'un comme moi. Ne t'inquiète pas, c'est lui qui va cracher ses tripes. Moi je viens avec toi, Valentin. Ils sont tous morts et c'est de ta faute. C'est à cause de toi si on s'est retrouvés ici. Et moi, Valentin, j'ai une famille. Où est-il? Je vois pas de quoi vous parlez. Je sais que vous l'avez amené ici! Ce jour-là, on a perdu. Mais on avait quelque chose avec nous. Quelque chose qui peut le tuer. J'ai eu des visions. J'ai revu mes amis mourir. Cependant, je pense que le clown a altéré mes pensées durant l'hypnose. Chaque fois que j'étais sur le point d'avoir une révélation, quelque chose m'empêchait de l'entendre. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il cache quelque chose. Quelque chose auquel il tient beaucoup, et qui se trouve dans l'établissement. Et comment vous le savez? À un moment, il a dit que mes collègues et moi avions pris un objet, et qu'il voulait le récupérer. Ce truc, je l'ai repris avec moi quand je me suis enfui de son monde. Et ce truc, c'est quoi? Je ne sais pas. Il a fait en sorte que je ne sache pas. En conclusion, il va falloir pénétrer dans son monde. C'est la seule solution désormais. Non, désolé, j'y arriverai pas. S'il manipule nos esprits, il réussira à me bouffer en moins de deux. Je serai un fardeau là-bas. Je serai plus utile en restant ici. Si tu ne te sens pas prête, on ne va pas t'obliger. Layana, on a toujours tout fait à trois. Même les choses les plus difficiles. Viens avec nous.
Je ne peux pas, j'en suis vraiment pas capable. Mais de quoi vous parlez ? De notre maladie collective. Vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît ? Ouais, mais ne mettez pas de mauvaises idées dans la tête de ces élèves. Comment voulez-vous qu'on affronte une telle créature ? On va se séparer. Mais vous regardez jamais de films d'horreur ou quoi ? Ne jamais se séparer. Des horreurs, j'en vois tous les jours. Je sais de quoi je parle. Désolée. Il faut que deux d'entre nous entrent dans le monde sombre. Pour comprendre les origines du clown et connaître ses points faibles. Emma et moi, on va y aller. Je suis d'accord. Comme je vous l'ai dit, je ne peux plus entrer dans le monde sombre. Vous serez donc seul. Mais vous ne serez pas sans rien. Vous pourrez sentir la présence du clown grâce au Shining. Et nous, on est censés les attendre gentiment ? Non, toi et moi, on va rester pour protéger les autres. En attirant la créature dans notre monde. On va les éloigner, tu comprends ? Un peu, oui. Et il faut bien qu'on reste pour les autres élèves aussi. En plus, j'ai un plan. La gamine du journal du lycée. Elle nous servira de diversion. En espérant que vous savez ce que vous faites. On y est. C'est le seul endroit pour pénétrer dans l'autre monde. À première vue, ça n'a rien d'une entrée. Et pourtant, c'est bien le portail entre nos deux mondes. Revenez vivante, s'il vous plaît. Je n'ai plus que vous. Je n'abandonnerai pas de nouveau une amie. On va revenir, je te le promets. Faites très attention. Ce monde appartient au clown. Il y vit. Et il en connaît les moindres recoins. Vous n'êtes pas les bienvenus là-bas. Alors restez sans cesse sur vos gardes. Ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir.